Salut tout le monde, c'est les vacances. Je crois que c'est les premières vacances de l'année que j'attendais pas avec impatience. Vraiment, la période janvier-février était tellement incroyable que j'aurais aimé que ça ne s'arrête jamais. Parce que je sais que la période qui m'attend après les vacances va être beaucoup moins fun. Ça veut dire que je vais devoir beaucoup travailler pendant les vacances. Donc aujourd'hui on est dimanche. Hier je suis allée chez ma marraine pour garder mon filleul et hier soir on est allé voir les choristes en ciné-concert. C'était trop stylé. Et là cet après-midi je vais pas faire grand chose, ça va être l'après-midi de répit avant le sprint des vacances parce que la deuxième semaine de vacances je pars au ski avec mes parents et donc j'aimerais travailler un maximum cette semaine pour pouvoir profiter de la deuxième semaine de ski. Mais j'ai tellement de trucs à faire, j'ai fait une liste mais je pourrais jamais tout faire. Après j'aime bien moi quand je fais des listes vraiment mettre absolument tout, pas nécessairement que les choses obligatoires, enfin par exemple je veux reprendre des cours, prendre de l'avance, faire des fiches etc. et je vais pas pouvoir tout faire. Mais j'ai quand même tout noté parce que ça me permet de visualiser. Je pourrais facilement avoir 100 heures de travail pendant les vacances. Et dans les trucs obligatoires, faut bien compter 40 heures quand même de travail parce que dans les gros trucs, j'ai un DM de géographie, une colle de géographie à préparer, une colle d'histoire à préparer, des analyses en espagnol, en anglais, une éval en espagnol. Depuis le début de l'année, ma classe avait la chance de ne pas avoir DS le samedi matin. Sauf que bon, toutes les bonnes choses ont une fin, donc on va bien avoir DS le samedi matin à la prochaine période. Donc on va avoir un DS d'histoire, ensuite un DS de français, ensuite un DS de philo. Entre-temps, ce sera mon anniversaire des 20 ans. Donc je vais faire une petite soirée, donc il faut aussi que je prévoie ça. Ça va être une période de rush intense. Mais bon, je me suis tellement reposée pendant la dernière période, ça m'a fait super du bien. J'espère pouvoir bien travailler. Là, je pense que je vais rentrer chez moi mercredi. Lundi, mardi, je vais faire 10h-20h à la bibliothèque, je pense. Donc bon, bah, je vous emmène en vacances avec moi. À demain. Hier, j'ai travaillé pendant 8 heures et j'ai vraiment fait une tâche sur les 40 que j'ai à faire pendant les vacances. C'est pas grave, il fait beau, donc c'est cool, allons-y. Franchement, j'adore, là, je suis dans un bon mood de travail et tout. On est mercredi et je rentre chez moi. Ma valise m'attend, je cherche juste mes écouteurs. En fait, il y a moyen que ce soit dans ma valise. Ça me saoule. Ils sont là! Léo, je te rappelle que cette couverture est censée être sous tes yep, donc tu veux bien retourner dessus? Merci. Voilà, voilà. Non, et non, tu restes sur la couverture, c'est pas le jeu la couverture. C'est la protection. Il est 23h05 et j'avais pour objectif de finir de ficher mon atlas de géographie pour ma colle aujourd'hui. Et j'en suis qu'à la moitié. Donc ça risque d'être compliqué. La gouvernance PAPI concernant le TRI identifié par le schéma local de gestion des risques d'inondation, SLGRI, respecte la compétence GEMAPI. L'EPCI est assisté de trois autres qui couvrent le bassin de risque de l'Air Toulousain, Sicoval, Muretin, Aglo et communauté de communes de la Save aux Touches. Je ne comprends rien. Il y a un moment, on avance comment? Non mais c'est ballot parce que franchement la première partie était cool. C'est l'atlas des risques et des crises. Donc en fait ma technique pour ficher c'est je lis, je souligne ce qui est important. Et ensuite quand j'ai fait à peu près je sais pas 20 pages, je dicte tout sur mon téléphone, sur un Google Docs. Et ensuite je mets au propre. Et voilà, c'est fiché. Si mais je comprends rien, ça me saoule. À quel moment, à 23h45, il n'y a déjà plus personne dans mon cerveau? Il y a des gens de ma classe qui me disent oui, j'ai fait ma colle jusqu'à 5h du matin. Mais moi, à 23h, mon cerveau se dit allez, fin de journée,
On dort. Il me reste 20 pages. Ça sent bon? Bon allez, j'arrête parce que ça sert à rien. Je lis 5 fois la même phrase sans rien comprendre. Vas-y, là il me reste plus que 2 pages d'atlas à lire, là c'est nul. Pas là pour devenir mais ou quoi, là on m'aurait décrit toutes les procédures en cas de risque, est-ce que je m'en fiche un petit peu, franchement. Il y a des pages qui sont inutiles, hein, si je peux me permettre, qui a écrit ce livre? Richard et Yvette, parfois ça radote bien. Loi de modernisation de la sécurité civile souligne le droit des citoyens à l'information préventive sur les risques. Information de l'acquéreur et du locataire obligatoire. À quel moment il est 17h49 et je n'ai pas encore fini ce que j'ai dit censé avoir fini hier. Demain je vais aller à la bibliothèque parce que c'est vraiment pas possible. Est-ce que vous pensez que je peux réussir à soulever une barre de 30 kg? T'es censé pouvoir soulever au moins ton poids normalement. Moi j'arrive à porter 60 kg et je fais presque 60 kg. Waouh. C'est simple là. À une main Margot si tu veux. C'est super lourd. Il est 20h, on vient de dîner. J'ai un petit peu avancé ma colle d'histoire sur Avatar. Bref, mes parents m'avaient demandé de préparer mes affaires pour le ski et j'ai totalement oublié, donc on va faire ça. C'est bon, j'ai trouvé toutes mes affaires de ski. Il est 10h et je pars à la bibliothèque. J'espère partir sur une journée productive parce que c'est demain qu'on part au ski, donc je vais faire 10h-13h à la bibliothèque, ensuite je dois rentrer chez moi parce que la bibliothèque ferme et ensuite je vais à une autre bibliothèque de genre 14h à 19h en fonction de ce que j'ai à faire. Je suis au rayon littérature et qu'est-ce qu'il y a à côté de moi? Stendhal, mon chouchou. Comment ne pas bien travailler dans cet environnement finalement? J'ai envie de pleurer. On vient de recevoir un mail de mon prof de philo. Il vient de nous donner une fiche de lecture. Merci vraiment, je pensais m'ennuyer le mois prochain, donc c'est cool quoi. On doit lire Gorgias de Platon. Ça m'intéresse hein, énormément, mais on va mourir, genre littéralement. Tout le monde est en PLS dans le groupe de la classe. Trop beau ma vie avec ton petit bandana. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ah. Oh oh. 1, 2, 3. Ouais.
trop mignon la petite église. En gros, en option géo, on fait la montagne et donc on a vu les petites caractéristiques de la montagne et tout. Donc je mets en pratique mes connaissances et donc j'ai dit que je supposais que sur la gauche, bah, là où il y a de la neige, c'est l'Ubac, c'est-à-dire la partie de la montagne à l'ombre, et à droite, l'Adré, c'est-à-dire la partie de la montagne exposée au soleil. C'est pour ça qu'il n'y a pas de neige de ce côté et qu'il y a de la neige de ce côté. Waouh, waouh, il y a tellement de neige. Pouf. Ça y est, le petit chamois en action. Ça fait mal aux pattes. Oh ma vie. Ah, il est déter, hein, parce que ça lui fait trop mal aux pattes. Hein. Oh non, il me fait trop de peine. Mais Lius, tu fais mal aux pattes, la loup. Mais non, mais faut le porter. Vas-y, 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 t'es courageux, ma vie. On est bientôt arrivé. Vas-y, la loup. Ouais. Il est trop content. Hey, on est dimanche, premier jour au ski. Là, je suis en train de préparer mon exemplier de français. On va aller skier peut-être 2 heures cet après-midi. On a discuté avec un mec de la station qui nous a dit qu'il n'y a pas eu de vraie neige depuis le 19 janvier. Et on est le 26 février. On est mardi aujourd'hui. J'ai un peu oublié de filmer pendant les vacances. Donc dimanche, on est allé skier. Il faisait froid. Pas beau. Moi, je skie, ma mère skie, mon petit frère était le snowboard. Donc on a peu skier parce que tous les 100 mètres il faut l'attendre. Hier matin on est allé balader mon chien dans la neige, il vit sa meilleure vie, c'est trop chou. Hier après-midi, on est allé skier et avec ma mère, on est monté beaucoup plus haut. Il y avait de la meilleure neige, il faisait beau, il y avait du soleil. J'ai pris quelques vidéos. If your only words are ugly ones, and you just might hide your... So come and show me how it's done. Là, ce matin, moi, je travaille, j'ai bien avancé, j'ai fini mon exemplier de français. Je suis en train d'apprendre mes dates d'histoire avec Quizlet. D'un côté, on met une date, de l'autre, un événement. Et donc là, je vais continuer un petit peu ma colle sur Avatar. En fait, j'ai beaucoup d'éléments, mais je sais pas comment l'organiser. C'est un peu galère. Regardez tout ce que j'ai pris comme notes. Il faut aussi que j'avance mon DM sur la métropolisation à Toulouse. Vraiment, j'ai l'impression que je vais jamais finir mes devoirs. Sachant que j'ai ça, donc ça c'est des gros trucs. Et après, en plus, j'ai un commentaire en anglais apparemment dont je n'avais pas entendu parler. Plus, je dois écrire une fable ou je sais pas quoi en espagnol. Et on a une éval d'espagnol également que je n'ai pas révisé. Mais je pense que ça, je vais vraiment réviser la veille. Tant pis, parce qu'il y a un moment, il faut voir ses priorités. Et l'espagnol n'en est pas une pour moi. Il y avait plein de trucs que j'avais mis dans ma liste que j'ai dégagé parce que je n'aurais jamais le temps. Faut aussi que j'avance dans mes montages YouTube parce que j'ai énormément de vidéos de retard et c'est pas la prochaine période que je vais trouver le temps pour faire du montage. Un roman est un miroir qui se promène le long d'une grande... Non, il n'y a pas le long. C'est sur une grande route. Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Regardez, alors en face, on a l'Adré qui est la côte de la montagne au soleil. Il n'y a vraiment pas de neige, c'est fou. Et de l'autre côté, on est sur l'Ubac et il y a de la neige. N'est-ce pas incroyable? We get it almost.
every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their snooze to keep it tight. Everybody. Elios, va dormir dans ton lit, mon cœur. Elios. Oui, très bien. C'est bien. Allez, on est désolé, on te réveille. J'ai l'impression d'être une baronne qui réveille son enfant avant de partir en vacances. Elios. 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 Il me fait trop de peine. Allez. C'est qu'il dort trop paisiblement. Allez, debout. Elios, tu vas dans ton lit, mon cœur. Pas dans ton lit, petit chien. Oh, il a tous les lits. Qu'est-ce qu'il y a? Il est fou ce yinche. Dernier jour de ski, je viens de me rendre compte qu'en fait j'avais oublié, mais le mardi de la rentrée c'est genre une grosse grève. Et donc je suis refaite parce que j'espère ne pas aller en cours. Je sais pas si les profs vont faire grève ou pas, parce qu'en soi je pourrais y aller à pied de l'internat, genre je suis à 25 minutes à pied. Mais si personne ne peut venir, malheureusement, je resterai à l'internat finir mes devoirs, ce qui pourrait être une très bonne chose. Dernier soir à la montagne, nous partons manger une galette au restaurant, je crois. Et ce soir, faut que je fasse ma colle d'histoire à mes darons. Mais j'ai pas totalement fini, donc tant pis, ils auront pas de conclusion. On vient de rentrer dans Megève, on a déjà croisé deux Ferrari. C'était une Ferrari.
C'était une fucking Porsche. Ah si, depuis tout à l'heure tu dis que c'est des Ferrari parce que moi j'en vois pas. Ouais, j'ai toujours pas vu de Ferrari. Hein. Mais non, parce que c'est quoi le symbole de la Porsche? La Porsche, c'est le logo. C'est un petit blason où il y a un mini cheval tout petit en plein milieu. Pour moi, ça c'est une Ferrari. Non. Et la Ferrari, il y a que un cheval. Bon bah, je retiens ce que j'ai dit, c'était des Porsche. Margot, tu veux pas qu'on te laisse comme ça, tu peux trouver un. Un mari riche? Ouais. Ouais. Ok, d'accord, laissez-moi. Bon, ça va. On s'en fiche du style, maman. Tant qu'il y a la thune. Il y a la boulangerie. Petit bébé. Bonne nuit. On est donc bien rentrés. Les vacances ne sont pas tout à fait finies puisque demain on a d'autres places to be. Puisque demain on assiste à un baptême. Ça c'est peut-être un petit peu trop festif. Ça, oh, c'est des manches courtes. Ça, ça fait un petit peu enterrement. Ça peut être pas mal. C'est quoi ça? Ok. Ça. Non, je vais me les cahier. Je suis rentrée à l'internat. Pour demain, je suis censée faire un commentaire d'anglais que je n'ai pas commencé. Mais la prof, elle a dit qu'elle verrait pour nous donner un délai supplémentaire, donc je ne compte pas le faire. Ensuite, mon DM de JO a à peine avancé, alors que c'est pour la semaine prochaine. Je connais un tiers de mon cours d'histoire alors que j'ai DS samedi. On est bien! On commence la rentrée sur une bonne foulée là. La seule chose cool quand on rentre à l'internat, c'est d'aller dîner avec tous les gens d'internat. Mais c'est le luxe cet anniversaire. Ça. Le premier mardi des vacances, c'était l'anniversaire de Mathilde. Et elle a eu 19 ans. On n'a pas eu l'occasion de le fêter entre nous, du coup, bah, c'est ce soir son anniversaire. Veille de rentrée, c'est le moment idéal. Voilà, le seul truc pour nous remonter le moral. C'est un art qui requiert habileté et expertise. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mathilde. Joyeux anniversaire. Oh. Souffle. Je lui attendais faire. Ferme. Incendie. Je pense qu'on ouvrira la fenêtre, non? Crache dessus. Ouais, c'est pas grave. Mon Dieu. Mathilde, quels sont tes vœux pour cette 20e année de ta vie? Oui, j'en parle tout le temps, j'en suis vraiment désolée. La gloire du 3 juillet. J'aimerais bien être prise aux yeux, mais quand même, c'est vachement cool. Et du bonheur et tout. Et le polyme. Voilà, Mathilde. Regardez, avec Ola, on est vraiment en fait mal de taille. Allez, on serre. On dirait des vieux œufs pourris. Alors, tu arrêtes de critiquer, la mère, s'il te plaît. Tu te calmes. Bon anniversaire à tous. Bordel. Oh, t'en es une sonde. Ouais. Je vous mets, j'ai pas envie. Ah non, c'est bon. Qui fait des coups? Bien fait. On fait le tour des couloirs. J'ai éteint mon téléphone, je me suis se changer les idées. Ah mais c'est pour ça parce que je sais que je t'ai envoyé un message pour que tu viennes pour la Nive. De... Mais si je vais là-bas, je vais pas repartir les gars. Je peux mais pas si voir. Parce que moi je vais repartir vite, t'inquiète. Waouh, hey. Bisous, mon tableau. Bisous. Bon appétit. Oh Margot, tu arrêtes de faire des blagues une seconde. Oh, la caméra, ça va bien, ça roule, ça mousse. Comment ça va? Hola. Mais vraiment, je suis rentrée à 18h30, j'aurais pu travailler, il est 21h. Je n'ai pas commencé, j'ai juste rangé ma valise, exporté mes vidéos. Je suis dans une merde. Ouh. Voilà, bon bah, comme d'habitude, c'est le gros rush, rien ne va en cette rentrée. J'espère que ce petit vlog très décousu vous aura plu. C'était des vacances bien trop courtes, à mon avis. Comme d'habitude en fait finalement. Je compte même pas travailler ce soir en fait je pense. Je vais pousser le déni jusqu'au bout. Demain on commence à 8h mais ça c'est horrible. Le lundi 8h, tuez-moi. Bref voilà, bon bah bisous, à la prochaine.